touche pas à mon poste. Cyril Hanouna et les chroniqueurs se lâchent, le meilleur animateur élu. Périplé du vendredi 2 février. Invité ce jeudi 1er février 2018, dont touche pas à mon poste sur C8, Tex a notamment confié qu'un célèbre animateur de France 2 avait refusé de passer le casting pour présenter Les Amours. Hier dans Touche pas à mon poste, Maxime Guigny a présenté ses excuses et l'équipe a dévoilé un scoop sur Moundir. Mais ce soir les tensions sont loin, puisque Cyril Hanouna a décidé de faire une soirée karaoké, il ne lâche pas le micro et pousse, la chance en est encouragée par les chroniqueurs. Au passage, Cyril Hanouna fait part de son coup de cœur pour Olivier Lynn dans cette histoire, avant de laisser la parole à Tex. Olivier, on se connaît quand même très très bien. On était quasiment à égalité, il y a 17 ans pour présenter l'émission. En revanche en flop, on retrouve TF1, les programmes de la chaîne ont du mal à marcher, surtout les téléfilms et les séries. En revanche ils saluent le succès de Jean-Luc Reichmann qui, selon eux, est l'un des meilleurs animateurs du PAF depuis de nombreuses années. Cyril Hanouna, qui a dévoilé un énorme scoop, est totalement d'accord avec son équipe. Pour Benjamin Castaldi, le meilleur c'est lui et le moins bon, David Ginola. Intanto stai tranquillo, cerca di essere sereno. Mandatemi lì, vi prego, rivolto a Paola ha aggiunto, nota della redazione, mi vieni a fare compagnia? La replica della modella è riuscita a strappargli un sorriso, se c'è da mangiare posso pure pensarci.